If someone takes your money, comme le prophète arrive donner l'argent, because the prophet is coming, vous devez refuser. You have to refuse. Voilà, parce que c'est déjà passé. Because it's already regulated. Avant qu'on arrive en France, before our arrival in France, les gens avaient déjà commencé à prendre l'argent des gens. Some people were taking money of people. Voilà, 30 euros, 30 euros. On a vu ça, on a allumé tout ça. And that's why we have decided to stop selling. They just want to take our image so that we can get money. Voilà. Donc, je ne suis pas dans vos histoires d'argent qu'on prend. I'm not in the trouble of money because saying that the prophet does to come. That's why I have decided that this trouble must be stopped. Les gens sont venus me dire non, tu sais, t'as dit, moi je ne suis pas prêt à m'engager dans ce genre de trucs. To be engaged in this kind of thing. Les gens doivent produire 60 millions. People have to give 60 millions. Voilà, donc ne prenez pas que les gens vous en aient. So, people do not have to si take your money. If they ask you your money, please call me back. Voilà, pour signaler ces personnes. Call me back, so that I can be informed. Même, il y a des pasteurs qui me combattent, je sais. Even I know that some pastors are fighting against me. Ils sont peurs qu'on arrive. They are afraid because of our arrival. C'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. That's it's just because they don't believe to God. Voilà, donc que Dieu bénisse. So, may God bless you. Nous avons désormais un site. We have a site. Nous avons un site internet. A site from today. Voilà, internet site. For those who are following us abroad, so they can receive some knowledge, our teaching, So vous visitez ce site, vous allez commencer à avoir des enseignements. And you can receive some teaching if you visit this site. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. May God bless you. Voilà. Parce que nous pensons à l'extérieur. We think that les gens sont à l'extérieur, ils veulent bien bénir. Just want to come here. Et le combat que nous menons d'ailleurs permet à la diaspora de bénir. That is our fight. Peut-être que nos parents rejettent. Fighting for those who are abroad. Our parents, so that they can come here. Sorcerers are impeding them so that they can come and develop Africa. So you will receive some teaching. Yes. Some teaching to be edified. We are having a plan of building. Thank you for those who have already contributed. We need 50 million. Pour réhabiliter ici. To rebuild this center. Désormais, ça sera en direct. Pendant que je parle comme ça, dimanche, tout le monde sera. Apart from, the coming days will be online. Parce que tout le monde demande ça, le direct. Because people are asking now that we can preach our services online. Le matériel même fait, ça fait déjà 10 millions. Materials is only 10 millions. Système informatique en place. Even the informatique. Les caméras professionnelles. We need some cameras. Pour faire le direct. 50 minutes. Voilà. Donc aussi on a besoin aussi de construire juste derrière. We need to build un bâtiment. Even now. On aura le frayon. Regardez, les gens sont dans le gaz. And we can have fresh coal. Fresh air. C'est pas beau à voir. Voilà, c'est you see that here some people are out. Il faut permettre à on the side. It's not good. Amen. People must be at ease. Voilà, donc, pour ceux de l'extérieur. For those who are abroad. Voilà. On a échangé. C'est vous vous avez directement sur mon compte. You can now bring the money on my Le Crasso. Yes, on this address. Joro Crasso. Joel Shalom. Let me spell it in French. Parce que les gens ne connaissent pas ces autres noms là. Il y a deux autres noms que les gens ne maîtrisent pas. Oui. Allons-y. Le Crasso. Allons-y. Le Crasso. K R A A O O
And then we have Jeho. Because I was born on the 1st of January at 4 p.m. That's why I'm called Jeho. It means flag. D. D. G. G. O. O. N. R. O. O. Yeah, Joel. And then we have Joel. J. J. O. O. E. L. E. L. Because sometimes they don't know how to write, so that's why we are spelling. And then we have Shalom. My Shalom is double L. S. S. H. H. A. A. N. L. O. O. M. N. Voilà donc. Kasso. Kasso. Jaro. Jaro. Joel. Joel. Shalom. Shalom. Ceux qui veulent faire mon grave. For those who want to have, I mean, MoneyGram transfers, even in the Western Union, souvent les gens envoient dans des agences bizarres là, pardonnez, MoneyGram, MoneyGram or Western Union. Quand vous envoyez dans des agences bizarres là, ça nous fatigue. I don't want another agency, be it MoneyGram or Western Union. Nous avons fini ici, maintenant Orange Money, even Orange Money, 77 5 3 1503. Nous ferons comme ça les annonces tous les dimanches. Yes, we are going to give you some information every Sunday. Voilà. Pour ceux qui veulent faire les Orange Money, for those who want to send money on my Orange Money, 77 5 3 1 5 3. Okay. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. May God bless all of you. Et quand vous faites le orange money, and when you send the money, donnez immédiatement votre nom. You have to give your name so that we can write down this. Vous appelez au 47. When you send the money on our orange money, vous faites le 47. You give your name. 07. So that we can write it down. 23 28. C'est-à-dire vous donnez votre nom directement au secrétariat, vous dites on a fait le mandat. Voilà, vous appelez pour dire on a fait le mandat. You go and give the confirmation. Voilà. Vous appelez aussi pendant que la même chose pour Western Union. Even for Western Union and the Money Gram. Voilà, vous appelez. You can call. Au secrétariat, tout se passera au secrétariat. Yes. Vous donnez votre nom au secrétariat. You can call our secretary. Le mot de passe. Just to give the confirmation for the password and so on and so forth. So that we can be powerful. We're going to rebuild here, even the place, this room, to help all of you. Amen. Amen. May God bless you. I say thank you to the Lord for my new car. I went to Zaroko last Friday. Yes, it was very good. Yes, very good. If I have at least four cars, I'm going to destroy the kingdom of the evil. Amen. Amen. You want us to pray for you. You don't know how to tie the heart of God. God wants his actions. Amen. Amen. J'ai souffert, hein, moi. I suffered much. Je viens d'être délivré. I have been delivered. Amen. Amen. Souvent, qu'il y a souvent des gens qui me demandent des services, je ne peux pas leur rendre. That's why sometimes some people are asking me some services. C'est pour ça qu'il y a l'œuvre de Dieu. They have to think about God's actions. Amen. Amen. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, if you support the actions of God, God will bless you. Amen. Je vais parler ce matin d'un sujet très important. This morning I'm going to speak about comment important topic. L'œuvre de la sorcellerie. How to destroy the actions of witchcraft. Comment détruire? How to destroy the actions of witchcraft. On dit amen. Et vous pouvez dire amen. Ça va vite, hein? Ça va. How to destroy the actions of witchcraft. Comment détruire les œuvres de la sorcellerie. How to destroy the actions of witchcraft. Amen. Yeah, follow me well. Comment détruire. How to destroy. Comment détruire. How to destroy. Vous devez d'abord savoir la définition. You firstly have to know the definition of witchcraft. C'est quoi ce qu'on appelle sorcellerie. What
witchcraft is. What does it mean when we say witchcraft? People are joking with it. That's why we changed. We are calling them soothsayers. Yes. Or, la sorcellerie veut dire, witchcraft means celui qui lance un mauvais sort. The one who gives bad curse. Do you hear me? La sorcellerie veut dire quoi? Witchcraft means celui qui lance un mauvais sort. The one who gives bad curse. Le sorcier, c'est celui qui lance un sort. Il cherche the sorcerer is the one who is able, to give you the bad curse. Il est en lui un mauvais esprit. Tu veux ou pas? C'est qui en lui? Ils n'ont pas pitié. They don't have pity. Ce qui n'existe pas dans le cœur du sorcier, c'est la boue. What does not exist and sorcerer's house is blood. More it destroys, more is going to hell. Yes. They have to destroy people. They are working for Satan. They are working for the demon. They have a very bad spirit. When they discuss him, he's trying to see a way how to destroy him. And thinking how to destroy you, how to kill you. Je vais construire bonne maison. Et sa pensée, c'est comment te manger. The only thing of the sorcerer, comment te détruire. How to destroy you. Of the possessed. They are possessed. They are controlled by a demon. When this devil is in us, this can destroy us. Amen. Amen. We destroy it. Their missions, when we have witchcraft, is to destroy. They have double lives. And they are able to know your feet about your feet. They know. They can know that what you are going to become. They detect that rapidement. They can detect. As soon as they detect, they can destroy. Ils ont la capacité de mettre des personnes en retard. C'est ça que là, où il y a la sorcellerie, they have the ability to destroy who they want. Où il y a la sorcellerie, where we have witchcraft, il y a le retard. Yes, c'est people par le retard. Are not developed. C'est ça qu'aujourd'hui l'Afrique est en retard. That's why today Africa de la présence is underdeveloped. De la sorcellerie. Because of witchcraft. Amen. Amen. À cause de la présence because of this crime. Et l'Afrique aujourd'hui en retard. Africa is late today. Oh, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Africa. Même la musique est partie de la. Is the realm of humanity. Même l'écriture, you know, est partie de. Even writing. Comprenez? Mais l'Afrique came from Africa. But Africa is late. Oh, quand nous voulons comparer, regardez un peu l'histoire des blancs. Let's compare. Ils ont pris white people ici. Here, regardez les blancs dans leur histoire. Ils ont compris. Let's take the story of white people. Comment combattre la sorcellerie? How they fought made witchcraft. Ils ne savaient pas ce que les blancs, ceux qui ont combattu premièrement les sorciers sont les blancs. Those who fought witchcraft first of all were white people. Parce que je vous ai bien expliqué. Why did they engage in fight? Quand on a cet esprit, on détruit. When we have this spirit, we destroy. Quand vous avez ces démons de la sorcellerie, and when we have these devils of witchcraft everywhere, it's dangerous. When you have a plan of development, they have another plan for undevelopment. They are anti-development. Amen. Ils sont anti-développement. They are not for development. When you stand for the plan of development, they destroy the development. And they destroy it. Nous avons vu la chose à Fresco dans la région de Sassandra. We saw something in Fresco. Où la côtière était dégradée, la côtière était dégradée. Where the coast was really destroyed. Nous sommes allés dans un village. We went in a village. Pour combattre la sorcellerie. To fight witchcraft. Et la plus puissante sorcière. And the most powerful sorcerer. Détruisait la côtière.
The most powerful witch came and confessed. She killed 1,732 and 700 people. Elle nourrissait son serpent. C'est quand elle était épinglée. When she was caught, il était arrivé à la poussière. People were now able to reveal the cross. When you got a glance on the road from Divo to Ire, the road, the place called Didoko, and I told them that this road has to be revealed. I went to talk on that place. And at the same time, as I saw, the most powerful sorcerer confessed and he died after. They were among those who were destroying the Doko. Today, this place is delivered. The place is released. When we have witchcraft somewhere, in a place, in an area, yes, people are late. They are late because of witchcraft. If you look at a family which is late, it's simply because of witchcraft. You want to keep your head, but they want you to come down. They have ability to put you in prison. You have some talent. You know that you can go ahead. We feel in your body happiness, and they come and destroy it. They can destroy it. Why? Because they don't want to see people going ahead. The spirit in them don't want to see people going ahead. That's why the Bible says we have to destroy the axis of witchcraft. Amen. Amen. Alleluia. Amen. They used too many things. Let me explain. If they kill them, the devil has sometimes some actions that you don't know. They have some actions around you. As you don't have some knowledge in it, you don't consider it. These actions are from the devil. Such as, let me take. Let me give you an example. Le sorcier, I was sleeping. T'as pas eu la nuit, when the sorcerer doesn't attack you at night, quand tu viens chez lui, when he comes and see him, la première chose qu'il va commencer à faire, the first time he's going to do, il va utiliser le pouvoir du balai. He's going to use the power of the thing that people use to swim. Oh, quand vous lisez la Bible, when you read the Bible, amen, dans Isaïe, in Isaïe, you understand too many things. When you are, amen. Il te dit, mais lève-toi, je vais balayer. C'est pas autre chose, hein? C'est pour justement te nuire. Amen. It's no another thing. It's simply to destroy you. Stand up so that I can sweep. Lève-toi. Stand up. Quand ils utilisent le balai, vous savez. When they use the thing that people use to sweep. Nous c'est. Et prenez Isaïe 14:23. Isaïe 14:23. Est-ce qu'on me suit un peu? Do you follow me? Est-ce qu'on suit un peu? Do you follow me? Vous savez, ils sont sur beaucoup de fronts. C'est-à-dire la nuit. S'il n'a pas pu t'avoir la nuit, dans la journée, il y a les actions qui mènent. Amen. S'il n'a pas pu avoir ton âme, il te fatigue. Et il y a les actions qui mènent. Or, quand on utilise le balai. Allons-y. J'en ferai le gîte du hérisson et un marétage et je la balayerai avec le balai de la destruction. Et je balayerai avec le balai de la destruction. Donc, eux, ils viennent pour détruire. Comme ils n'ont pas eu ce qui est en toi, le pouvoir qui est en toi, la chose qui est en toi, qui l'empêche d'avoir accès,
Pendant que toi tu as dit, il vient, il balaye. What does simply do? They come and sweep so that they can destroy and repaint you. Délégation comme ça qu'ils mènent dans la journée contre ta vie. Amen. Amen. Il peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'œuf. They can use even now. C'est pour ça que vous allez voir les œufs partout dans les carrefours, tout ça. Or, ils utilisent les carrefours et ils veulent t'avoir. C'est-à-dire, they use crossroads. S'il a essayé la nuit qu'il t'a pas eu, il va essayer certaines pratiques. And they use some eggs sometimes. Justement, te détruit. C'est vrai, that's why. Ton âme. Il n'arrive pas à avoir accès à ton âme. If they don't have, il va poser une action. The ability to touch your soul. He's going to act. Let me explain you how to fight. They take some eggs in the crossroad. And you know that the crossroad, the power of crossroad, I have already taught it. The power of the four winds. The devil's ear copies on God. Oh, quand il utilise les œufs, when he uses eggs to attack you, le projet que tu viens de mettre en place, vous savez que ça vient de l'œuf qui vient le pousser, n'est-ce pas? You know that the chicken comes from the egg. Ton projet, when you want to destroy your plan, ta maison, even your house, en train de construire, that you are building, vous allez voir que vous allez trouver un œuf. You can notice that you are going to find an egg on your place. It means that they just come to destroy your place. Even the place where you sell your fish, it's just to destroy. Because simply, he didn't have enough time to destroy at night. Let me give you more actions. Amen. Amen. Tel que je prends encore l'exemple d'excréments, c'est-à-dire des déchets. Let me give you some examples. Quand vous démarrez un projet tel que la construction d'une maison, when you start building a house, que vous trouvez dans nos fraçons du caca, and you find what you most call caca là-bas, crémin, vous dites le sorcier est venu détruire ton projet. The sorcerer has come just to destroy your plan. They come and just to realize it. What they did at night, and they close everything in your life. That's sometimes what we call prophetic actions. Si vous voyez un péché, if you see, you must go. Y a blocage, it means c'est fini. We can nothing. Vous allez voir souvent un pacte des oiseaux. You don't even see some screaming of birds. Quand vous voyez ailes d'un oiseau, les ailes d'un oiseau. Even the part of a bird. Vous voyez les pattes d'un oiseau. Even some feet of a bird. It means people have stopped your voilà. Travel. Voyage. Où est dans le rêve? Vous rêvez par exemple. Vous rêvez. When you dream, vous voyez que vous avez, il y a un oiseau qui est tombé. That there is a bird on you. Il y a un oiseau qui est tombé. Ça veut dire que votre voyage ne va pas aboutir. It means that your travel cannot. Voilà. Donc il y a les blocages de voyage. J'utilise beaucoup de choses. Maintenant, quand ils veulent détruire une famille, that when they want to destroy a family, ils détruisent une famille, ils vont prendre les racines d'un arbre. They use vous allez voir que souvent, ils some roots les racines, les écorces, les racines of trees. Quand ils utilisent les racines, when they use the roots of a tree, la famille, ça vous sécher la famille. It's just to pray so that your family cannot go ahead. Ou ils utilisent le caméléon. And even they can use another le pouvoir du caméléon, il y a une à ça. The power of le pouvoir du caméléon est très very bad animal called quand un sorcier le pouvoir du caméléon, when you have this power, on peut ne pas le voir. C'est-à-dire qu'en venant ta we can even not have the possibility to see. C'est pas là, monsieur. C'est comme ça. We cannot see. Il change. Voilà, il change. Il peut changer. It can change. Il change. Everything. Ou ils utilisent même le piment. And even they use ils utilisent le pouvoir du piment.
pepper. Pour envoyer la douleur dans la vie des gens. So that people can feel pain in their lives. Et pour envoyer des pleurs. And even cry. They can speak on the pepper. Justement pour bloquer. Just to stop your life. Je vous explique. Let me explain. La Bible nous dit. The Bible says. Que Jésus a vaincu le diable. That Jesus overcomes the devil. Il y a des gens qui sont bloqués. Malgré leurs prières, ils sont bloqués. Some people here. Tous ces fonds sont bloqués. Although their prayers. Prenez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, verset 14, verset 15. 2 Corinthiens, verset 15, à partir du verset 14. 2 Corinthiens, le chapitre 14, 10, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Est-ce qu'on suit un peu ce que je dis? Est-ce qu'on suit? Do you follow me? Moi, je ne comprends pas que la sorcellerie. Quand je vous donne les techniques, comment je suis en train de la sorcellerie. Witchcraft? So I'm just giving you. Verset 4. 2 Corinthiens. Chapter 10, verse 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, for the weapons of warfare are not merely human, ne sont pas charnelles, merely human, mais elles sont puissantes, but they are, par la vertu de Dieu, divine power, pour renverser les forteresses, for strong to destroy, l'apôtre Paul est en train d'enseigner à l'église de Corinthe. Il dit les armes, vous savez que Dieu nous a armés. Amen. Donc les armes avec lesquelles nous combattons sont charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles telles que un bâton prend un bois, je peux dire. Les armes que nous utilisons sont des armes humaines. Ce n'est pas le problème. Amen. Amen. Ce n'est pas le problème. Tant que prendre un pistolet, tuer un sorcier, ça n'est pas le problème. Et le pistolet, tuer un sorcier, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Our weapons. Ne sont pas physiques. Are not merely human. Ils sont spirituels. They are spiritual. Et la Bible a dit puissant pour renverser les forteresses. Amen. To destroy oh, everything. Combat, et puis depuis les and when you fight, and the walls are not down, aucun mur ne tombe autour de toi. Aucun mur ne tombe autour de toi. Around you. Oh, je vous enseigne quelque chose. Let me teach you donc, something. Tout à l'heure, le diable complice Dieu. The devil complices on God. Donc, avant de démarrer l'action, before starting the action, le diable, vous voyez là. The devil, il va aller parler à l'eau. He's going to speak to the water. Oh, vous savez que la Bible considère que la the Bible considers water. La Bible dit que la parole de Dieu souffle d'eau vie. La parole the Bible considers water like the oh, water of God. Le pouvoir de l'eau. The power of donc, water. Avant de commencer à t'attaquer, before starting attacking you, une action. They have to act. Do you follow me? I know that people are not really stressful. Let me give you some techniques. Sometimes you keep on it's when you start praying and you don't find results. When you use a pistol and it doesn't work, it means that you cannot put your enemy down. Vous n'arrivez pas à avoir la connaissance et c'est ça que le diable vous dira. You have to know the knowledge of God. Or, lui, avant de faire quoi? Avant de t'attaquer, before attacking il va you, utiliser le pouvoir de l'eau. He's going to use the power of water. Or, vous savez que you know that tout part de l'eau. Everything starts from il va utiliser le pouvoir de l'eau. From water. Il va commencer à partir de 5h du matin. Apart from 5 a.m. He's going out. Il va mettre, va pas porter chaussures. He doesn't want to take shoes. Il va regarder vers la direction du soleil. And look at the direction il of the sun. Il va parler. Started speaking. Puis verser. And pour water. Verser l'eau. Pour water. Justement pour anéantir ce que tu as fait. Just to destroy what you are doing. Si tu étais protégé, if you were protected, ça vient anéantir cette protection. This comes to destroy your protection. Là maintenant la pari. And what is declaring now can happen to you. Amen. Amen. Voilà donc. Qu'est-ce que tu dois faire? What are you going to do? En tant que croyant, d'abord, as a believer, j'ai dit d'abord, il faut d'abord avoir Dieu. You have to get God. Comprenez? In your life. Il faut d'abord avoir Dieu dans sa vie. You must have God in your life. Est-ce qu'on saisit un peu ce que j'ai dit? Do you hear me? Amen. Amen. Il faut d'abord avoir Dieu dans. You must have God in your life. Ça, c'est déjà très important. This is really important. Parce que la Bible dit, the Bible says, dans Psaume 60, verset 14, in Psalm 16, nous ferons des esprits. Verse 14, with God. We'll get everything. Amen. Amen. Il ne faut jamais avoir
You must never have quelque chose qui appartient à Satan chez toi. Something that belongs to the evil in your est-ce house. Est-ce do you hear me well? Est-ce do you catch me? My fetishes. Even bad things. Quand tu as ça, c'est la présence when you have them, du diable dans ta vie. That is the presence of the devil in your life. Amen. C'est la présence du diable dans ta vie. The presence of the devil in your life. Amen. Est-ce que ma bien saisi? Do you catch me well? Et l'élément que nous devons avoir encore plus important, the element that we must have, c'est la prière. Is the prayer. Je vous disais ici, de la Bible le dit ici. I used to say here, celui qui ne prie pas, the one who does not pray, il s'expose à un danger. Is exposing himself or, to a danger. The devil, il va détruire ta vie de forgetting him, is going to destroy your life of prayer. Vous savez, les choses arrivent, mais vous ne faites pas attention. You don't pay attention. Ça arrive doucement. Things are coming slowly. Pas attention. You don't pay attention. Mais pourquoi t'avoir forgetting you, ils vont mettre un esprit de sommeil fatigant. They are going to give you a spirit of sleeping. Tu dors juste. And you spend your time sleeping. Et quand le Saint-Esprit te réveille, mais tu réveilles. You always spend your time sleeping. Because they gave you the spirit. Ça a commencé. Ça dit le diable à l'œuvre. It means the devil is in action. He's waking you. Il va commencer so that he can become weak and weak. Vous savez, combien de temps? C'est 3 mois. And the only way is 3 months. Il est sûr qu'il you are going to become weak on the period of 3 months. And he starts destroying you. If you notice that you don't pray anymore, vous exposez un danger. You are exposed to a danger. Est-ce qu'on a bien compris? Do you hear me? Or, celui qui prie à partir de 3h30, the one who starts praying back from 3 a.m. is the one who destroys the power, the actions of the devil. Est-ce bien do you catch me well? Or, celui qui prie à partir de 3h30, the one who prays from c'est celui qui détruit le pouvoir du diable. 3 a.m. enough. He's the one who destroys the plan of the devil. Lui va travailler la nuit. He's going to work at night. Il va s'arrêter à 3 heures du matin. He's going to stop at 3 a.m. À partir de 5 heures, apart from 5, il va venir verser, peut-être he's going to come and pour water l'eau, dire, and say, parler à la terre, pour dire la speak terre, to the land. C'est qu'on appelle la nuit, là, what we did at night, you have to give, put them in action so that or, si toi, what we wanted can happen. And when you stand up, wake up at 3 a.m., you can start destroying the power of the devil. It's yes, it's clearly. Le diable lui l'a programmé. Even the devil has planned you. What? You come and destroy what you plan. Amen. Amen. You come and destroy what you plan. At night. With your prayer at 3 a.m. Or, à partir de 3h30, apart from 3 a.m. and up, jusqu'à 4 heures, till 4 a.m., les portes vont commencer à s'ouvrir. The doors are going to open. C'est ce qu'on appelle l'aurore. It means, et ça, il en fait ça, tout le monde fait ça peut-être, mais la religion. The sun is starting to shine. Vous prenez le psaume. It's like the psaume. Le psaume 119, le verset 147. Le psaume 119, le verset 147. Vous comprenez l'aurore, le pouvoir de l'aurore. Amen. Amen. À partir de là, vous détruisez tout ce qu'ils ont programmé contre vous. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Vous allez commencer à détruire tout ce que le diable yes.